Ceci vous est présenté par la Tour de Prière Semeur, tous les mardis et jeudis de 22h à 23h. Rejoignez-nous au 09 72 61 93 80, code d'accès 1077. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Amen, alléluia. Nous voulons glorifier le nom du Seigneur. Alléluia, je vais pouvoir lire la parole de Dieu dans Psaume 133 au premier verset. La Bible déclare, Psaume 133 au premier verset. La Bible déclare ceci. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête et descend sur la barbe et sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur le montagne des cieux, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi. Nous voulons, Seigneur de gloire, te rendre hommage. Nous voulons te célébrer, toi qui es le rocher de nos cœurs, de nos vies. Toi réellement, Seigneur, qui répands ton huile, Seigneur, fraîche. Toi qui répands ton huile, Seigneur, précieuse, Seigneur, sur la tête, Seigneur. Et cela descend sur la barbe d'Aaron, Seigneur. Oh Dieu, et qui descend, Seigneur, sur le bord de ce vêtement. C'est comme la rosée, Seigneur, de l'Hermon, Seigneur, qui descend sur les montagnes des Sion. Oh, que ton nom soit béni. Je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom parce que c'est là que tu envoies la bénédiction, la vie pour éternité, dans la vie de tout un chacun. Dans la vie de ceux-là qui sont connectés, dans la vie de ceux-là qui sont heureux de pouvoir se réunir, de pouvoir demeurer ensemble. Éternel Dieu de gloire, nous voyons combien tu es puissant. Nous voyons combien ta force, Seigneur, nous donne la bénédiction. Lorsque un peuple est uni, Seigneur, montre réellement, Seigneur, une force. Montre réellement une, Seigneur de gloire, une source de bénédiction, ô Dieu de gloire. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, pour cette belle soirée. Je veux que cette soirée, Seigneur, soit éternelle, une soirée particulière, une soirée par laquelle tu vas visiter ton peuple, par laquelle, ô, l'huile va couler encore, par laquelle, Seigneur, l'huile va déborder dans notre corps, l'huile va déborder, Seigneur, sur notre tête, l'huile va déborder, Seigneur de gloire, dans notre, Seigneur de gloire, situation, dans notre corps, dans notre esprit et dans notre état d'âme. Ô Dieu de gloire, je sais que c'est agréable pour le frère de demeurer ensemble. Il est agréable, il est aussi doux, Seigneur éternel, que nous puissions demeurer, Seigneur, ensemble, oh Dieu, avec toi. Éternel notre Dieu, je bénis ton Saint-Nom. Je viens t'adorer ce soir, éternel. Je viens te couronner, Seigneur Dieu de gloire. Je viens t'élever, Seigneur. Je viens t'adorer, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour la vie. Merci pour ce moment glorieux, Seigneur, que tu permets à tout un chacun de nous de se connecter. Au fait de se connecter dans ta présence, Seigneur, tu nous montres, Seigneur, spirituellement, que nous sommes connectés, Père éternel de gloire, dans une connexion divine, qui est Dieu, qui est la puissance de Dieu, qui est la parole de Dieu. Éternel Dieu de gloire, c'est alors que tu envoies ta bénédiction pour la vie éternelle.
Je bénis ton Saint-Nom pour cette belle soirée. Je recommande cette belle soirée. Entre tes saintes mains. Prends le contrôle de toutes les choses. Seigneur Dieu de gloire, nous voulons, Seigneur Dieu, éternel, t'accueillir. Nous voulons te dire, sois le bienvenu dans notre plateforme de prière. Nous voulons te dire, sois le bienvenu dans notre cœur. Nous voulons te dire, sois le bienvenu dans notre esprit. Nous voulons te dire, sois le bienvenu dans notre conscience. Nous voulons te dire, sois le bienvenu. Oui, nous te laissons la place première, la place qui t'est due. Oh Seigneur éternel, et que tu sois le maître, et que tu sois le pourvoyeur, et que tu sois le guide, et que tu sois le gardien, et que tu sois le pourvoyeur, le coach, au nom de Jésus. À toi la gloire, au siècle des siècles, dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié, avec action des grâces. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. L'Éternel est bon, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'Éternel est bon, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare, si deux ou trois sont réunis à son nom, il y a au milieu d'eux. Nous, nous sommes plus que deux, plus que trois. Et nous sommes réunis, nous sommes unis encore par un seul esprit. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous allons maintenant à demander l'aide du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit descende sur nous et que le Saint-Esprit réactive notre entendement et que le Saint-Esprit puisse réellement nous booster ce soir afin que l'huile précieuse puisse descendre sur nos têtes afin que nous puissions recevoir réellement la plénitude du Saint-Esprit. Prions le Seigneur, alléluia. Saint-Esprit, nous voici devant toi. Nous abandonnons, Seigneur éternel, nos cœurs, nos vies. Seigneur, nous vous abandonnons, Seigneur, entre tes saintes mains. Remplis nos cœurs, remplis nos vies, remplis-nous, Saint-Esprit. La Bible déclare, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. La Bible déclare, c'est le Saint-Esprit qui est notre consolateur. La Bible déclare, oh, Jésus-Christ dira, il faut que je m'en aille pour que le Saint-Esprit puisse venir, pour que le consolateur puisse venir. Il est avantagé, il est avantagé. Voilà notre avantage. Oh Dieu, d'avoir le Saint-Esprit, avoir le Consolateur en permanence. Je bénis ton Saint-Nom. Saint-Esprit, règne dans nos cœurs ce soir. Saint-Esprit, pénètre dans nos cœurs ce soir. Saint-Esprit, utilise-nous ce soir. Et Saint-Esprit, ramène-nous, oh Dieu, dans une dimension, Seigneur. Oh Dieu, Père éternel. Oh, alléluia, de la gloire. Dans une dimension, Seigneur. Oh, éternel, de la bénédiction. Saint-Esprit de Dieu, inonde nos cœurs ce soir. Saint-Esprit de Dieu, baptise-nous ce soir. Saint-Esprit de Dieu, colonise-nous ce soir. Saint-Esprit de Dieu, attache-nous ce soir. Saint-Esprit de Dieu, sature-nous ce soir. Saint-Esprit de Dieu, oh, déborde dans nos cœurs. Oh, par l'huile de l'onction, par l'huile fraîche, par l'huile du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous t'invitons à régner, à dominer, à prendre la place qu'il faut dans nos cœurs et que nous puissions réellement conduire, oh Dieu, être conduits selon l'Esprit de Dieu. En ne pas, oh Dieu, de faire les désirs de la chair, mais plutôt faire la volonté parfaite de Christ, la volonté du Père, la volonté de Dieu. Oh, ce soir, Saint-Esprit, nous t'accueillons ce soir. Nous t'accueillons ce soir dans notre cœur. Oh, Saint-Esprit de Dieu, règne ce soir. Oui, Saint-Esprit de Dieu, tu es le bienvenu. Tu es la personne la plus importante dans nos cœurs. Saint-Esprit de Dieu, déborde et que nos coupes soient réellement remplies. Remplis nos cœurs, remplis ma sœur, remplis mon frère, remplis ceux-là qui ont de problèmes, Seigneur, dans leur cœur, dans leur, Seigneur de gloire, oh Dieu, Père Carcroix, dans leur corbeille. Oh Dieu, endommage, Seigneur, oh Dieu, le problème, Seigneur, mais plutôt ramène réellement la solution, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'invitons ce soir dans le nom de Jésus.
dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, colonisez-nous ce soir. Saint-Esprit de Dieu, attachez-nous ce soir. Saint-Esprit de Dieu, guide-nous ce soir au nom de Jésus. Et que tu demeures, et que tu demeures à jamais. Et cela dans le nom de Jésus. Nous t'avons si prié. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, Alléluia Seigneur, merci. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare dans Psaume 128: Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Alléluia. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Amen. Alléluia. C'est ainsi que tu es béni. L'homme qui craint l'Éternel, l'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Amen. Que la paix soit sur toi. La Bible déclare que la paix soit sur Israël. Mais Israël, c'est toi. La Bible déclare, tu verras les fils de tes fils. Et que la paix soit sur toi. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, un homme qui craint l'Éternel, mes bien-aimés, c'est un homme qui marche dans le voie de l'Éternel. C'est-à-dire tout ce que lui il fait, lui réussit. Et cet homme qui est heureux, cet homme qui est prospère, cet homme qui est vraiment qui prospère à tous égards. Mais bien aimé, ce soir, nous allons prier le Seigneur en disant: Seigneur, mets ta crainte dans mon cœur. Mets ta crainte dans ma conduite. Mets ta crainte dans mon parcours. Mets ta crainte et que je puisse te craindre et que je puisse marcher sur ta volonté. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, nous allons prier ce soir. Seigneur, je veux d'abord marcher dans la sainteté. Seigneur, je veux d'abord marcher dans l'intégrité. Je veux d'abord marcher dans la nouveauté de vie avec toi. Mes bien-aimés, c'est alors, mes bien-aimés, la vigne sera féconde. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, ce soir, bien que nous sommes venus, Seigneur de gloire, oh Dieu, te louer. Bien que nous sommes venus, Seigneur de gloire, te rencontrer, Seigneur. Mais nous te demandons, Seigneur, nous voulons, Seigneur, marcher dans la crainte de l'Éternel. Nous voulons marcher, Seigneur, dans tes voies. Nous voulons marcher, ô Dieu éternel, dans l'intégrité du cœur. Nous voulons marcher, Seigneur de gloire, ô Dieu, dans une nouveauté de vie. Éternel Dieu de gloire, ce soir, nous voulons, Seigneur de gloire, marcher selon tes principes. Selon tes préceptes, selon, Seigneur, Dieu, tes commandements, selon tes règles, selon, Seigneur de gloire, Dieu, alléluia, ta volonté. Ce soir, Éternel, aide mon frère, aide ma soeur, aide, Seigneur, ma famille, aide mes enfants de marcher dans la sainteté, dans la crainte de l'Éternel. La Bible déclare, Dieu de gloire, je suis heureux lorsque je crains l'Éternel. Un homme est heureux lorsqu'il craint l'Éternel. La Bible déclare, alléluia, heureuse la nation dont l'Éternel Dieu. Éternel, c'est-à-dire, lorsque nous marchons dans la crainte de l'Éternel, lorsque nous marchons dans l'intégrité du cœur, dans l'intégrité de la parole, dans l'intégrité de la conduite, Seigneur, Dieu de gloire, nous allons, Seigneur, être heureux, nous allons être prospères, nous allons être prospères, Éternel, Dieu de gloire. Et notre jardin, Seigneur de gloire, aura toujours du fruit. Notre semence aura toujours, Seigneur de gloire, de paix. La production, Seigneur de gloire. La reproduction, voilà le mot. Seigneur de gloire aura toujours la reproduction, Seigneur de gloire, Dieu, dans notre jardin. Éternel Dieu de gloire, ce soir, mais voici, Éternel,
garde mon cœur et que je puisse faire ta volonté et que je puisse marcher dans la nouveauté de vie. Regarde, Seigneur, mon cœur. Regarde ma vie, Seigneur. Je ne veux pas rester toujours, Seigneur de gloire, dans la saleté, dans le mensonge, dans le péché, dans la boue du péché, dans la transgression. Mais je veux marcher à nouveauté de vie. Je veux marcher, oh Dieu Père éternel, dans l'assurance de Dieu. C'est-à-dire, je vais marcher, Seigneur, sur ta parole. Je vais marcher, Seigneur, selon ta parole. Je vais marcher selon, oh Dieu de gloire, tes préceptes ce soir. Oh Dieu de gloire, garde-moi, Seigneur. Oh Dieu, aide-moi, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, la Bible déclare, cet homme, il est heureux. Heureux, Seigneur de gloire. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Oui, Seigneur de gloire. Nous, Seigneur de gloire, nous aurons, Seigneur, la vie heureuse. Jésus-Christ, nous avons besoin de toi, de marcher à nouveauté de vie, de marcher dans la crainte de l'Éternel, d'abandonner le péché, d'haïr le mal, d'haïr, oh Dieu de gloire, les transgressions, d'haïr, Seigneur, l'ivronnerie, d'haïr, Seigneur de gloire, oh Dieu, le mensonge. Ce soir, Éternel, nous voulons marcher dans la nouveauté de vie. Aide-nous ce soir, aide ma soeur ce soir, oh Dieu, et que son corps ne soit pas un corps du péché, mais son corps soit le temple du Saint-Esprit, et que son corps soit réellement le dépôt de la parole de Dieu, la source de bénédiction, oh Dieu de gloire. Mais voici ce soir, nous avons, Seigneur, besoin de marcher dans l'intégrité, de marcher dans la droiture, de marcher dans la nouveauté de vie, au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, et que la crainte de l'Éternel soit notre partage, et que la crainte de l'Éternel soit notre slogan, et que la crainte de l'Éternel soit notre hymne, Seigneur, et que la crainte de l'Éternel soit notre refrain, que la crainte de l'Éternel soit notre conduite, que la crainte de l'Éternel puisse, Père éternel de gloire, nous saisir, oh, nous toucher, Seigneur, touche-nous ce soir, pour que nous soyons éternel de gloire, oh Dieu Père, oh Dieu dans l'intérieur, dans la sainteté de Dieu. Alléluia. Ce soir, Éternel, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur, que tu puisses soutenir celui-là, Seigneur, qui n'arrivait pas à marcher dans l'intégrité. Celui-là qui n'arrivait pas à marcher, Seigneur, selon ta parole, selon, Seigneur, ton écriture. La Bible déclare, cet homme, il est heureux lorsqu'il craint l'Éternel. Heureux tout homme qui craint l'Éternel des armées, qui marche dans ses voies. Oui, Éternel, nous serons heureux lorsque nous allons pétiner, Seigneur, sur, oh Dieu, la crainte de l'Éternel. Lorsque nous allons marcher, Seigneur, au fait, lorsque nous allons marcher sur la voie de l'Éternel, voilà, lorsque nous allons marcher sur la voie de l'Éternel, lorsque nous allons obéir à écouter la voix du Seigneur, lorsque nous allons exécuter la parole de Dieu, lorsque nous allons exécuter, ainsi dit l'Éternel, la Bible déclare, tu aimeras, ô Dieu, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces, de tout ton cœur, ô Dieu de gloire, manifeste-toi, Seigneur, et que si nous puissions t'aimer, Seigneur, de toute notre force, de toute notre pensée, de tous nos cœurs, éternel Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, aide-nous, afin que nous puissions marcher dans l'intégrité, dans de marcher, Seigneur, oh Dieu Père, dans la nouveauté de vie, au nom de Jésus, alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur éternel de pouvoir guider Seigneur une personne, de pouvoir Seigneur coloniser une personne dans la vie de l'intégrité Seigneur, dans la sainteté, dans une voie sainte au nom de Jésus. Lorsque nous marchons Seigneur sur la voie de l'éternité, lorsque nous marchons dans la crainte de l'éternel, oh Dieu de gloire, nous sommes heureux Seigneur de gloire, oh Dieu de gloire, la Bible déclare, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice, la Bible déclare, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice, parce que tu prends soin de l'obéissance. Lorsque nous t'obéissons, Seigneur de gloire, nous sommes heureux. Lorsque nous t'obéissons, Seigneur de gloire, oh Dieu Père, nos faiblesses s'enfuient. Lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, oh Dieu, tu nous délivres. Lorsque nous obéissons à ta parole éternelle, tu fais en nous réellement, Seigneur de gloire, oh Dieu éternel, que nous soyons un domaine de ta gloire. Oui, éternel, nous allons prospérer à tous égards, oh Dieu, en
en obéissant simplement, oh Dieu, alléluia, sur ta parole, Seigneur, oh Dieu, dans tes voies, éternel Dieu de gloire, nous serons délivrés, nous serons restaurés, nous serons notre miracle, nous serons nous ce que nous avons besoin, parce que la Bible déclare, heureux tout homme qui craint l'Éternel, amen, et qui marche dans ses voies, oh Dieu de gloire, alléluia, tu as dit encore, il jouira de son travail, de son travail, de ses mains, alléluia, oh Dieu de gloire, tu es heureux, tu as dit, tu seras heureux, et tu es heureux, tu prospères, même ta femme sera oh, comme une vigne féconde, oh Dieu, dans l'intérieur de ta maison, tes fils sont réellement, oh Dieu, des plantes, des plants de vigne, oh Dieu de gloire, béni soit ton nom, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur de gloire. Oh Dieu de gloire, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans la nouveauté de vie. Aide-nous, Seigneur de gloire, à chercher premièrement le royaume. À chercher premièrement le royaume. À chercher premièrement le royaume. Parce que la Bible déclare, lorsque nous cherchons premièrement le royaume, oh Dieu de gloire, au Père, et tu nous béniras par la suite. Et toute chose, Seigneur, sera donnée par-dessus tout. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, lorsque nous béissons, Seigneur, à ta parole, cela veut dire, nous cherchons d'abord le royaume. Nous cherchons d'abord la priorité de Dieu. Nous cherchons d'abord Christ. Lorsque nous cherchons Christ, il se laissera trouver. Oh Dieu de gloire, ce soir éternel, et que nous puissions avoir la crainte de l'Éternel, et que la crainte de l'Éternel puisse réellement régner dans notre corps, dans notre façon d'être, dans notre conduite, dans notre système de pensée. Oh Dieu de gloire, de maintenant et à jamais. Nous voulons, Seigneur de gloire, être dans la sainteté, dans l'intégrité, dans la droiture, dans la justice, dans la piété, au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous ce soir, au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons abandonner. Tu vas abandonner ton fardeau, tu vas abandonner tes besoins, tu vas abandonner tout ce que tu as comme une charge lourde. Tu vas abandonner sous les pieds de Christ. Alléluia ce soir. Nous allons abandonner tous nos besoins, toutes choses qui nous rongent, toutes choses qui nous préoccupent, tout ce que nous avons besoin de voir, de recevoir, que Dieu puisse nous donner, nous allons abandonner cela. C'est-à-dire, nous allons dire cela à Dieu. Nous allons lui parler. Nous allons lui supplier. Alléluia. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Ce soir, éternel, nous venons à toi. Nous abandonnons, Seigneur éternel, oh Dieu, nos manquements. Nous abandonnons, Seigneur, nos faiblesses, Seigneur. Je viens m'abandonner à toi. Je viens, Seigneur, oh Dieu, me laisser entre tes saintes mains. Oui, je veux aujourd'hui, Seigneur, que je sois comme un sacrifice agréable, et que je sois comme une offrande, Seigneur. Oh Dieu, je m'abandonne à toi. Je viens m'abandonner, Seigneur de gloire, oh Dieu, mes problèmes, Seigneur de gloire, oh Dieu, qui me dépasse, Seigneur, mon entendement. Oh, ma situation, Seigneur éternel, qui persiste encore, oh Dieu de gloire, dans ma vie, qui me ronge, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, je suis angoissé. Je suis, Seigneur de gloire, oh Dieu, Père, dans le tourment. Je suis, Seigneur de gloire, dans le chaos. Je suis dans le manque. Je suis, Seigneur, oh Dieu, Père éternel, dans la sécheresse. Je suis, Seigneur de gloire, oh Dieu, Père, dans le désert. Oh Dieu de gloire, Père, fais en sorte, Seigneur, que l'eau puisse jaillir dans le désert. Fais en sorte, Seigneur, que tu puisses tracer un chemin, parce que c'est toi le chemin le plus absolu, le chemin par lequel nous devons suivre. Jésus-Christ de Nazareth, ce soir éternel, je m'abandonne à toi. Ce soir éternel, je viens, Seigneur, te dire, vois ma famille, vois mes enfants, vois ma femme, vois tout ce qui est à moi, vois ceux-là qui prient, éternel, en pleurant, vois ceux-là, Seigneur de gloire, qui te demande quelque chose depuis si longtemps, Seigneur. Il n'a pas encore reçu cela, parce que tu as dit, Seigneur, demandez et on vous donnera. Seigneur Dieu de gloire, ce soir, je veux, Seigneur de gloire, et que tu puisses, Seigneur, oh Dieu Père, nous donner. Tu as dit demandez et on l'on vous donnera, Seigneur de gloire. Tu as dit cherchez et vous trouverez. Tu as dit encore frappez et on l'on vous ouvrira, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, oh Dieu, quiconque demande, la Bible déclare, reçoit, Seigneur éternel. Oh Dieu, quiconque, Seigneur, cherche, trouve, Seigneur. Quiconque, Seigneur de gloire, oh Dieu Père, oh Dieu, qui frappe à la porte, on l'ouvrira, Seigneur. Je t'en prie ce soir.
Je t'en prie ce soir, Éternel, manifeste-toi, Seigneur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Oh Dieu de gloire, si ma sœur est connectée, Seigneur, peut-être il a un besoin, peut-être elle a un besoin, peut-être, Seigneur, elle veut, Seigneur de gloire, de paix, voir ta grandeur dans sa situation. Elle veut voir la grandeur de Dieu. Elle veut toucher le pont de ton vêtement. Elle veut toucher réellement ta Seigneurie, Éternel Dieu de gloire. Je t'en prie ce soir, accorde le miracle, accorde la faveur, accorde, Seigneur, oh Dieu de gloire, oh Dieu, ton amour envers ceux-là, Seigneur, qui veulent voir ta main puissante dans leur vie. Et la Bible déclare, oh Dieu, approche-nous donc du trône de la grâce avec assurance pour être secourus dans nos besoins. Manifeste-toi, Seigneur, manifeste-toi ce soir, manifeste-toi dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur de gloire, manifeste-toi, Seigneur, Dieu de gloire, oh Dieu, tu as dit, Seigneur de gloire, si nous demeurons, Seigneur, dans ta parole, Seigneur, Éternel de gloire, oh Dieu, tout ce que nous allons demander, Seigneur de gloire, nous allons le recevoir, Éternel Dieu de gloire, nous voulons réellement, Seigneur, que tu puisses réellement, Seigneur, étendre ta main, Seigneur, Éternel Dieu de gloire, opère le miracle, opère de faveur, Seigneur, dans la vue de ceux-là, Seigneur, qui pleurent nuit et jour, dans la vue de ceux-là, Seigneur, qui n'arrivent même pas à voir, Seigneur, oh Dieu, Éternel, un bout de l'éclair, Seigneur, de la lumière, oh Dieu de gloire, car c'est toi qui es la lumière absolue, Éternel Dieu de gloire, et que ta lumière apparaît, Seigneur, et que la lumière, Seigneur, puisse luire dans notre situation, Seigneur. Ce soir, Éternel, nous abandonnons, Seigneur, entre tes saintes mains. Nous voici devant toi, Éternel. Nous abandonnons, Seigneur, oh Dieu. Père, commence à restaurer. Seigneur, commence à guérir. Commence à donner, Seigneur, la paix, le repos. Commence à donner, Seigneur, la tranquillité dans notre sommeil. Pendant, oh Dieu, que nous sommes, Seigneur, oh Dieu, endormis. Et que nos rêves soient maintenant restaurés, rétablis. Et que notre sommeil soit doux et paisible. Et que nos cœurs, Seigneur de gloire, oh Dieu, soient penchés à toi. Et que nos cœurs soient gardés à toi. Éternel Dieu de gloire, ne nous laisse pas seuls. Voilà pourquoi nous venons à toi. Voilà pourquoi nous abandonnons, Seigneur, nos vies. Nous abandonnons, Seigneur, notre repos, Seigneur, pendant le sommeil. Éternel Dieu de gloire, manifeste, Seigneur, dans la vie de ceux-là, Seigneur de gloire, qui n'ont pas encore vu, Seigneur de gloire, oh Dieu, paix, leur vie, Seigneur de gloire, oh Dieu, paix, alléluia, dans le bonheur, leur vie, Seigneur de gloire, oh Dieu, paix, oh Dieu de gloire, dans la faveur, Éternel, que tu puisses accorder la faveur, et que tu puisses accorder la faveur, nous abandonnons entre tes saintes mains, Seigneur Dieu de gloire, regarde ma soeur, oh Dieu de gloire, regarde mon frère plutôt, regarde, Seigneur, oh Dieu, ma soeur, regarde, Seigneur, ma famille, et Seigneur de tour de prière semeur, Éternel Dieu de gloire, regarde ceux-là, oh Dieu, qui sont connectés pour la première fois. Regarde ceux-là, Seigneur, qui ont, Seigneur, l'habitude, Seigneur de gloire, d'être connectés, Seigneur de gloire. Oh Dieu, Père, commence à solutionner. Commence à solutionner, Seigneur, oh Dieu, leur situation. Je pense, Seigneur de gloire, oh Dieu, Père, que c'est toi qui fais des miracles. C'est toi qui crée le miracle. C'est toi qui ramène, Seigneur, le miracle dans notre situation. Oui, Éternel, c'est toi qui peux changer la destinée de l'homme. Éternel Dieu de gloire, oh Dieu, dis simplement un seul mot. Dis simplement un seul mot, Seigneur, dans la vie de Judith. Dis un seul mot, Seigneur, dans la vie de Cristal. Dis un mot, Seigneur, dans la vie de Fatoumata. Dis un mot, Seigneur, dans la vie de Joël. Dis un mot, Seigneur, dans la vie de Ken, dans la vie de Laurent. Oh Dieu de gloire, je t'en prie, Seigneur, je t'en prie ce soir. Dis un mot, oh Dieu, et que leur vie soit basculée en bien, parce que tu es allé de lieu en lieu en faisant du bien. Éternel Dieu de gloire, je t'en prie ce soir. Je t'en prie ce soir, oh Dieu. Ouvre les clous de cieux. Ouvre les portes de cieux. Ouvre, Seigneur, oh Dieu, ta grâce. Oh Dieu, Père, ton amour, ta bonté dans la vie de tes enfants ce soir. Éternel Dieu de gloire, regarde, Seigneur, nos frères et sœurs. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués, Seigneur, de porter la charge seule. Oh Dieu, voilà pourquoi
ils viennent vers toi, Seigneur. Oh, de Père éternel, c'est connecté, Seigneur, sur la tour de prière semeur. Éternel, là où tu habites, là où tu résides, là où tu fais réellement que cela soit ton domaine, là où tu fais que réellement cela soit son sanctuaire. Oh, Dieu de gloire, manifeste, détache-le, Seigneur, de tout souci, détache-le, Seigneur de gloire, de tout problème, détache-le, Seigneur, de toute angoisse, détache-le, libère-le, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce soir éternel, oh Dieu de gloire, jusqu'à quand, oh Dieu, ils vont continuer à pleurer, jusqu'à quand, Seigneur, ils vont continuer à subir, oh Dieu Père éternel, l'angoisse, la peur, oh Dieu de gloire, le manque, oh Dieu, la disette, la maladie, oh Dieu de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi qui nous délivres, Seigneur, délivre ton peuple ce soir, oui, délivre ton peuple ce soir éternel, d'une façon miraculeuse, dans la vie, Seigneur éternel, de Jean-Félix, Seigneur, Dieu de gloire, dans la vie, Seigneur, oh Dieu de gloire, de mon frère, de ma sœur Nina, Seigneur, oh Dieu de gloire, dans la vie de ma sœur Esther, Seigneur, en Suisse, je t'en prie, éternel, oh Dieu de gloire, délivre, entends les prières, entends les cris, Seigneur, oh Dieu de la vie de ma sœur Odette, au nom de Jésus, Seigneur Dieu de gloire, je t'en prie, au Père de miracles, Seigneur, c'est toi qui dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, ainsi je vous donnerai du repos. Le repos que toi tu donnes, le monde ne peut le donner. Le repos que toi tu donnes, même le marabout, même le voyant, même tu perds, peu importe, Seigneur, oh Dieu, la personne ne peut pas donner, Seigneur, la paix dans la vie d'une personne, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Éternel, personne, il n'y a que toi le rocher des âges, il n'y a que toi le possesseur de nos vies, oh, c'est-à-dire le Shiloh. Oh Dieu de gloire, commence à posséder, commence à donner réellement le repos dans la vie de ma sœur, oh Dieu Père, Wivine, au nom de Jésus, le repos dans la vie de mes frères et sœurs, dans la vie de mes frères et sœurs, le repos, Seigneur éternel, oh Dieu Père éternel, qu'il soit, Seigneur, en Guadeloupe, qu'il soit, oh Dieu de gloire, oh Dieu, en Chili, qu'il soit, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire, en Afrique, qu'il soit, Seigneur de gloire, Dieu Père, en Côte d'Ivoire, qu'il soit au Cameroun, qu'il soit au Bénin, Seigneur, qu'il soit au Togo, qu'il soit, Seigneur éternel, au Canada, Seigneur, qu'il soit aux États-Unis, Seigneur, malgré il est aux États-Unis, mais il a des problèmes, malgré il est en France, il a des problèmes, malgré, Seigneur de gloire, il habite, Seigneur de gloire, en Europe, mais il a des problèmes, Seigneur de gloire, voilà pourquoi, Seigneur, c'est toi, Seigneur de gloire, qui dit, venez à moi, vous venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, ainsi je vous donnerai du repos. Oh, éternel de gloire, oh Dieu de gloire, nous sommes, Seigneur de gloire, oh Dieu, fatigués. Nous sommes fatigués, Seigneur de gloire. Décharge mon frère, décharge ma soeur ce soir, décharge, Seigneur de gloire, et qu'il puisse réellement trouver la paix, et que la paix du cœur soit rétablie, la paix dans son esprit soit rétablie, la paix dans sa conscience soit rétablie, au nom de Jésus. Seigneur de gloire, manifeste-toi, Seigneur, toi qui rentres, Seigneur, dans la vie d'une personne qui était, oh Dieu Père éternel, une personne qui était rebelle, une personne qui était sans repère. Lorsque tu rentres dans sa vie, Seigneur, tu commences à ordonner, tu commences à créer réellement, oh Dieu Père, la réjouissance, oh, tu commences à mettre, Seigneur, la paix, la vitalité, tu commences à ramener la bonne santé, oh Dieu, je t'en prie ce soir, dans la vie, Seigneur, de ma sœur Judith, dans la vie de ma sœur éternelle Ouindoula, dans la vie, Seigneur, oh Dieu de gloire, de mon frère éternel qui s'est connecté ce soir, dans la vie de mon frère Eddy, dans la vie de mon frère, oh Dieu de gloire, Simon, éternel Dieu de gloire, au Père de miracles, dans la vie de ceux-là, Seigneur, qui veulent se marier, mais jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, l'heure est en train de passer, oh Dieu Père éternel, la montre en train de tourner, Seigneur de gloire, oh Dieu, il voit rien, Seigneur Dieu, éternel, fais en sorte qu'il voit quelque chose, une nuage, et qu'il puisse avoir la pluie, Seigneur, la pluie de l'arrière-saison, la pluie de l'arrière-saison, afin que la gloire soit énorme, soit immense, la gloire de la deuxième maison, Seigneur. Père, je t'en prie ce soir, et cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, manifeste-toi, Seigneur. Toi qui connais nos cœurs, toi qui connais nos vies, Seigneur.
Nous voici devant toi, Éternel. Oh Dieu, je t'en prie ce soir. Seigneur, il y a beaucoup de sujets, Seigneur. Ce soir, il y a beaucoup de requêtes, Seigneur. Ce soir, il y a beaucoup, Seigneur de gloire, oh Dieu de dépôt. Éternel, nous voulons, Seigneur, déposer cela sur toi, Seigneur. Nous voulons déposer, Seigneur, nos fardeaux sur toi, Seigneur. Voici nos fardeaux, Seigneur de gloire. Enlève la fatigue, enlève la maladie, Seigneur. Enlève, Seigneur de gloire, l'injustice, Seigneur. Enlève, Seigneur, les mauvais rêves. Enlève, Seigneur de gloire, tout ce qui ronge nos cœurs. L'angoisse, l'équivoque, Seigneur de gloire. Ô Dieu Père, nous n'avons pas, Seigneur, la sécurité. Nous voulons avoir la sécurité en toi, Éternel, car c'est toi qui donnes la sécurité, Seigneur. Alléluia. Lorsqu'on tourne le regard sur toi, Seigneur, on est rayonnant de joie, Seigneur. Nos visages ne se couvrent point de la honte, Seigneur, mais nous sommes rayonnants de joie, Seigneur. Rayonne nos cœurs ce soir. Réanime nos cœurs ce soir. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, manifeste-toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur éternel. Alléluia, Seigneur. Nous voici devant toi, Seigneur. Nous voici devant toi, Seigneur, toi qui nous dis, ne vous inquiétez donc point de rien. Alléluia. Tu dis, Seigneur de gloire, que nous ne puissions pas s'inquiéter, Seigneur, parce que le lendemain, tu auras prendre soin de nous, Seigneur. Et éternel, tu as dit, Seigneur, que nous ne puissions pas s'inquiéter, Seigneur de gloire, du lendemain, parce que le lendemain, Seigneur, tu prendras soin de nous, Seigneur. Le lendemain, tu prendras soin de nous, Seigneur. Prends soin de ma soeur ce soir. Prends soin de mon frère ce soir. Oh Dieu de gloire, je t'en prie. Je t'en prie, Seigneur éternel. Alléluia, Seigneur de gloire. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, manifeste-toi ce soir. Que la lumière arrive. Que la lumière soit éclairée, Seigneur de gloire, dans notre façon de vivre, dans notre situation, Seigneur. Et cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Ce soir, éternel, nous avons besoin de toi. Ce soir, Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, de voir le miracle. Le miracle qui, Seigneur de gloire, qui accompagneront ceux qui auront cru à ton nom, Seigneur. Alléluia, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons à ton nom et les démons seront chassés, Seigneur. Éternel de gloire, Dieu, même s'ils vont boire, Seigneur de gloire, Dieu, les breuvages mortels, Seigneur. Éternel de gloire, Dieu, ils ne mourront jamais, Seigneur, parce que tu es avec nous, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, manifeste-toi ce soir. Manifeste-toi dans la vie d'une personne. Manifeste-toi, Seigneur, éternel Dieu, et que nous puissions, Seigneur de gloire, Dieu, paix, alléluia, habiller, Seigneur, ô Dieu, de ton vêtement du salut, et que nous soyons, Seigneur de gloire, Dieu, paix, vêtus, Seigneur, d'un vêtement, Seigneur, du salut ce soir, et que tu puisses, Seigneur de gloire, ô Dieu, nous habiller. Habille-nous ce soir, éternel de gloire. Réveille-nous ce soir, ô Dieu, d'un manteau de la lumière. Réveille-nous ce soir, d'un manteau, Seigneur de gloire, ô Dieu, de la délivrance. Réveille-nous ce soir, éternel Dieu, alléluia, du repos, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, manifeste-toi, et que la pluie de l'arrière-saison, Seigneur. Ô Dieu de gloire, ô manifeste-toi dans nos cœurs. Manifeste-toi, Seigneur Dieu de gloire, au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je t'en prie, Seigneur. Oh, alléluia. Je veux, Seigneur, ô Dieu, mon frère puisse témoigner la grandeur de Dieu, qu'il puisse m'appeler, qu'il puisse nous appeler, qu'il puisse mettre son témoignage sur la tour de prière semaine en disant que l'Éternel m'a secouru, l'Éternel m'a béni, l'Éternel m'a donné la paix, l'Éternel m'a donné réellement le repos, l'Éternel m'a délivré de mes angoisses, l'Éternel qui a enlevé, oh Dieu, la pourriture de ma famille, l'Éternel qui a ressuscité tout ce qui était mort dans ma vie. Éternel Dieu de gloire, nous voulons avoir des témoignages, nous voulons être des témoins de Christ, nous voulons être des témoins, et que chacun de nous, Seigneur, ce soir, puisse être un témoin de Christ, un témoin miraculeux, oh Dieu de gloire, dans le nom de Jésus. Alléluia, je t'en prie, Seigneur, crée un miracle, Seigneur. Crée un chemin. Crée un chemin même dans le désert, même dans la situation compliquée, même dans la situation là où les médecins disent c'est fini, on attend que la mort. Mais toi tu as dit, oh Dieu, je suis la résurrection, je suis la vie et je suis la résurrection. Et que la résurrection de Dieu se manifeste ce soir dans la vie d'une personne. Je
commence à prophétiser et que la résurrection soit votre partage au nom puissant de Jésus. À ceux-là qui pleurent, à ceux-là qui ont besoin de Christ, je proclame ce soir, la résurrection entre dans ta vie, la résurrection entre dans ton foyer, la vie de Dieu, la vie Zoé, la vie de Christ, la vie éternelle entre dans ton cœur maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus ce soir. Alléluia. Il a dit dans sa parole, je suis devant la porte, je frappe, si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec la personne. Ce soir je prophétise, reçois la bénédiction de Dieu, reçois la paix de Dieu, reçois le repos de Dieu, reçois la réponse de Dieu, reçois réellement la faveur de Dieu dans ta vie et que tu sois prospère et que la joie, oh, soit réellement ton partage dans le nom de Jésus. Car la joie du Seigneur est notre force, car la joie du Seigneur est notre sécurité, car la joie du Seigneur nous donne encore les ailes de marcher pour témoigner, pour proclamer ce soir. Je prie éternel Dieu de gloire, oh Dieu, pour ceux-là Seigneur qui n'arrivaient pas à dormir, pour ceux-là Seigneur de gloire qui sont rentrés Seigneur de gloire dans les cauchemars, qui ne soient plus dans les cauchemars au nom de Jésus. Je proclame ce soir, je proclame dans la vie de Dieu, dans la vie de tes enfants, oh Dieu de gloire, ce soir éternel, et que Seigneur de gloire, oh Dieu Père, un corridor soit établi, Seigneur, dans la vie de tes enfants ce soir. Un corridor soit établi ce soir, ô Dieu de gloire, et que tu descendes, et que tu opères, opères ce soir, délivre ce soir. Éternel, ceux-là, Seigneur, leur esprit, Seigneur de gloire, Dieu, est agité. Leur cœur est agité. Leur, Seigneur, sommeil est agité. Père, je déclare ce soir la restauration, le rétablissement, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh rekebo sakaba rekenderebo inereko sikeba indereboshi rekenerebo sakababa rikaba indeko inderambashi. Alléluia. Je proclame maintenant, ils sont libérés, ils sont délivrés par le nom de Jésus. La Bible déclare, tout genou fléchira et toute langue confessera. Je viens maintenant confesser le nom de Jésus dans la vie de ceux-là qui sont troublés, dans la vie de ceux-là qui sont angoissés. La vie de Dieu puisse entrer dans vos vies au nom de Jésus de Nazareth. La paix de Dieu, la paix de Dieu au nom de Jésus puisse pénétrer dans vos foyers maintenant et à jamais, sur vos enfants Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce soir éternel, règne en maître dans la vie de tes enfants au nom de Jésus.